Allô, bonjour, 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 bienvenue, c'est l'heure des démos. Coucou Nathan, coucou Mascaf. J'avais pas vu que c'était pas Nathan qui avait fait démo. Comment allez-vous? Attendez, je suis un peu perdu, d'habitude. Ah oui, j'ai pas fait des mises à jour, il y a des mises à jour. Coucou Max. Ça va, j'ai fait plein de choses aujourd'hui. J'ai fait de la vaisselle, j'ai fait de la lessive. Plein de trucs. Des réunions aujourd'hui, Nathan? Hop, alors. Bon, hier, je sais que j'avais dit plein de démos, mais j'en ai fait que 4 en 6 heures. Ce qui est pas beaucoup de démos et beaucoup de temps. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va être un peu mieux. Enfin, un peu plus équilibré. J'ai téléchargé plein de trucs. J'ai encore 40 démos à faire. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas par quoi commencer. On va faire un petit truc tranquille. J'ai très envie de faire Street of Rock 2, mais je le ferai après. Je vais commencer par un petit truc. Par un petit truc. Enfin, un petit truc. Un truc simple. Void Soul, ça risque d'être un petit peu long. C'est sa main cop. Ah, c'est un truc narratif. Allez, Lumibus. Je crois que c'est un truc vraiment simple, ça. Donc ça devrait aller vite. Voilà, 10 minutes. On lance enfin un truc. Un problème est survenu. Quoi? Je peux pas mettre de marqueur. Bon, je veux pas que je mette un marqueur. Coucou Fouane. Slash marqueur. Début. Bon, on peut plus mettre de marqueur. Pardon, je sais qu'il y a deux trucs en même temps là. Voilà. Alors, et regardez ça. Lumibus bus. Il y a Steam Discord, made by Perchecker Game. Firefly. Entourer la Firefly. Ok, je l'ai supprimé. Suis surpris qu'il y en ait ici. Je n'en avais jamais vu avant. Peut-être que sont seulement là quand le Lumibus vient. Je pense pas vraiment que le Lumibus ait fait de lumière. Est-ce qu'il y a... Comment ça t'explique? Ah oui. Ouf! Je me demande si des sièges de lumière seraient confortables. Peu importe, j'ai vraiment envie de partir d'ici. Quoi? This place where this bus made a flight is supposed to... Ah, l'endroit où le bus fait de lumière doit aller. Est-ce que vous pensez que ça serait mieux que l'endroit d'où on vient? C'est trop compliqué. Vraiment aussi. Ah, machin machin, tu fites pas dans le pattern. Ok, c'est lui, il fit pas dans le pattern. Boum. Bon,
ils se sentent pas à leur place et lui il demande est-ce que c'est pour ça que tu veux partir. Peu importe à quel point j'essaye de m'adapter, ça va jamais. J'ai l'impression d'aller dans une direction différente que tout le monde. D'accord. Donc, la narration donne des indices sur ce qu'on doit trouver. Intéressant. Voilà, les autres ont toujours l'air d'aller dans la bonne direction, mais pas toi. J'ai même pas l'impression de pouvoir nager, parce qu'elle parlait de nager. Je regarde le ciel qui n'est pas atteignable. Mais en dessous de moi, les profondeurs attendent déjà. Alors il faut une qui lève la tête. Les dessins sont mignons. Oui, un peu. Par contre, elle a pas de nez et lui, il a un nez gigantesque. Son rythme. C'est pas. Enfin, ça a l'air de varier, quoi. Ah, toi, t'es à l'envers. Waouh. Donc je me suis dit, je vais juste nager autre part et je ferai ce que je veux. Et qu'est-ce que tu voudrais faire que tu pouvais pas faire avant? Mes parents veulent que je fasse quelque chose de respectable. Et elle veut faire de la musique. D'accord, donc eux ils font des vrais boulots avec des marteaux et des clés. Faut trouver quelqu'un qui fait de la musique. Il y en a pas. Et là dans ma tête je me dis ils portent des trucs. Si on a le bon perc, et ben ils peuvent réapparaître en haut. Ah lui il a un micro. Qu'est-ce que tu aimes faire comme musique? J'aime bien la musique électronique. En ce moment, je fais surtout de la techno-mélodique. Je chante et j'écris mes propres paroles. Et j'ai découvert la chiptune. Wow! Plus c'est électronique, mieux c'est. Plus c'est électronique, mieux c'est. Pardon. Ils ont des ailes différentes. Ah, toi ton œil c'est un interrupteur. Peut-être que mes parents auraient apprécié si je jouais du piano. Mais là c'était trop des bips et trop artificiel pour eux. Dit que je mourrais comme une pauvre musicienne. Quoi? C'est violent. C'est très méchant, oui. Sur le moment, je m'en fiche. Ouf, 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 ouf. J'aime bien quand les gens sont contents et dansent. C'est pour ça que je veux prendre le Lumibus. Je veux aller quelque part où les gens aiment ma musique. Même si seulement une personne écoutait ma musique, ça serait suffisant. Une personne écoute de la musique. J'ai vu direct, mais du coup j'ai peur que... Si, c'est bon. C'est fourbe parce que... Les casques, c'est similaire.
poupe. Je peux déjà t'imaginer en train de faire de la musique devant plein de gens. Nous, le DJ. Le Lumi DJ. Ça, c'est une lumière platine. Et toi, pourquoi t'attends le bus? Juste m'éloigner de la maison. Ma famille veut toujours que j'ai les meilleures notes. A plus. Ouf. Que j'aille aux écoles les plus prestigieuses. Ah, lui, il a son diplôme. Wow. Et après tout ça, ils veulent que je suive la tradition de la famille. C'est quoi comme tradition? On saura pas. Suspense. Ok. C'est bizarre, il n'y a aucun feedback sur les clics. Exit game. C'était effectivement très court. Et mignon, oui. Ouais. Après, je me dis, ça doit pas être un jeu qui va être long. Donc, c'est difficile de faire une démo quand c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça sort prochainement. C'est fait par Bear Checker Game, du coup. Qui a aussi fait Be Welcome. Ah non, qui fait Be Welcome. Ça a l'air d'être similaire aussi. Un truc où il faut trouver des abeilles différentes. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de narration. Ils font aussi Solitaire. Bah, les jeux-là ont des démos aussi. Next Fest ou pas? C'est pas Next Fest. Ça a l'air d'être un de ces jeux où il y a des clients qui viennent te parler. Ils disent 20 niveaux. Donc effectivement, si un niveau c'est... Non, je pense pas qu'un niveau ce soit un petit puzzle où tu trouves quelqu'un. Là j'ai dû faire deux niveaux ou un niveau et demi. J'imagine. Histoire de trois personnes et de leur chien. Unique Fireflies each level. Ah si, peut-être que j'ai fait la moitié du jeu là. Je sais pas. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de date. Est-ce qu'ils attendent? Bon bah du coup j'ai fait mon jeu court. Donc c'est l'heure de... C'est l'heure de Street of Rock 2. Je sais toujours pas trop à quoi m'attendre. Pourtant, j'ai un peu joué au premier. Je suis curieux de voir quelle forme ça va prendre. Alors, Street of Rock 2. Démo disponible, en effet. J'ai un contact qui a joué 4 minutes. Et un autre, c'est pas marqué. Eliwen l'a essayé hier. Alors ça a donné quoi? Et coucou Kaga. Pour l'instant, ça ne se lance pas. Ah si, c'est bon. Il suffisait de râler. Street of Rock 2 XE. Ou alors Street of Rock 2 ne répond pas. Lequel je capture?
On va attendre que ça réponde. Ça avait l'air cool. Nice. J'espère que la musique est aussi bien que le premier. Ah, j'ai plus l'écran noir. Par contre, il y a toujours un Street of Rock quelque part. Qu'est-ce qui se passe si je clique dessus? Apparemment, il y a du craft. Oh non. ça me dit connexion au chat. Je sais pas si... Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il est en train de faire exploser mon PC. Bienvenue sur le chat, bonjour. Avec le plaisir. Après, je me dis, ça peut fonctionner. Ça peut être une manière de faire de la progression. Ah ! Enfin ! Enfin, j'ai eu un son, hein, j'ai toujours pas d'image. Ça y est, j'ai une image. Pourquoi ça réduit mon espace disponible? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus d'espace sur mon disque dur? C'est connerie. Attendez. C'est quoi ça? Il y a un truc qui me prend de la place sur mon disque dur et je sais pas c'est quoi. Je sais pas s'il y a des fichiers temporaires de Street of Rock ou quelque chose. Attendez, je vais aussi faire ça parce que je vois que ma RAM elle est un peu trop utilisée par Chrome. Deux secondes. Je décharge des trucs. C'est bizarre parce que Chrome, t'as un truc qui permet de décharger les onglets, genre quand ils sont pas utilisés, mais ça a pas vraiment l'air de fonctionner. Et même quand tu fais toi-même le truc pour les enlever des onglets chargés, des fois il les réactive sans raison. Alors vous me direz oui, on peut aussi avoir moins d'onglets, mais c'est pas la question. Leur feature ne marche pas, peu importe le nombre d'onglets. Allez là. Leur interface là, tu cliques dessus, mais ça fait pas grand chose. Bon, ok. Alors, où qu'on est? On est là. Et coucou, c'est Elias. Faut voir à quel point c'est impactant, si ça ouvre des nouvelles possibilités, sympa ou non. Non, c'est fou, tu dis. C'est foutu. Tu feras le 3. Le craft, ça n'engage que toi. Et t'en es arrivé au même point qu'avec le deck building, faut vraiment arrêter d'en mettre partout. Non, mais oui, ça c'est clair. Faut que ce soit là pour une raison. Je me dis que Street of Rogue, ça peut être du craft à la Dead Rising, un petit peu. Où tu découvres des trucs à ta manière, c'est pas forcément la progression de Minecraft, quoi. Il y aura des bugs, il y aura des missing features, il y aura du contenu qui n'a pas pu être fini pour la démo, il y a du gameplay qui n'est pas équilibré, il n'y a pas d'optimisation. Et il y a plein de possibilités pour le futur. Ok. J'ai eu peur. Terminé. Paramétrer les contrôles, ça va être en QWERTY peut-être. Non, on voit même pas. Redéfinir les contrôles à la... Oh, c'est compliqué déjà. Twitch.
Son. Ça m'énerve tellement que l'accent il soit dans une autre police. Franchement, à quel moment tu oublies qu'il y a des langues qui ont des accents? Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est illisible en plus. Lisez ceci. Ok, c'est fait. Bah, démarrons une partie. Partie locale, en ligne indisponible, quand tu personnalises indisponible. Ok. Un joueur. Crée un nouveau personnage. Je vais être un. Un terminé. Je peux cuisiner, cueillir et faire de l'argent. En tant que chef, en tant que policier. C'est une force de l'ordre. Respect de la loi, emprisonner. La loi. Arme. Esprit d'équipe. Corps à corps. Dextérité, le soldat. Il n'aime pas les extraterrestres et les cannibales. Et les zombies et les robots. Non, mais on va jouer un flic. Voilà. Non. D'idée. Zorro avec un seul R. Voilà. Un nouveau monde. Graine. Oui. Non. Non. Terminé. Effectivement, quand t'es américain, le centre du monde, tu oublies que les autres langues ont des accents. Non mais franchement, franchement. Alors c'est même pas juste que c'est pas aligné à cause de l'accent, c'est que la police a rien à voir avec la celle d'à côté, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Bonjour et bienvenue dans Street of Rogue 2. Utilisez WASD pour vous déplacer et examiner les alentours. Cliquez sur le bouton gauche de la souris pour attaquer quelqu'un, mais minute papillon, réfléchissez un peu avant d'agir. Ok, j'ai l'impression que ça rame. Si vous cherchez son bureau, appuyez sur Tab. Pour afficher la carte, voici d'autres commandes très utiles. D'autres emplacements importants sont indiqués sur la carte. Vous feriez mieux de trouver des véhicules. Je peux pas dézoomer maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toi. Slum Dweller neutral. Écran des statistiques. Inventaire. Carte du monde. Ah! Ok, il faut juste pas. Putain. Comment on bouge cette carte? Ok. Il faut zoomer, dézoomer. C'est comme une application Windows. Ok, ça fait pas rêver la map. Hein. Bug report, non, ils méritent pas. Ils ont qu'à faire des meilleurs accents. Vous pouvez construire vos structures ici. Comment ça? Formation sur les PNJ, espace. Ok.
Vous pouvez construire vos structures ici, mais il s'agit d'un monde super alpha, soit dit en passant, le super n'est pas un superlatif. D'accord. Dire quoi construire vos structures ici? Pourquoi ça rame? Je sais pas si j'aime le style visuel là. Parce que clairement on est en 3D. C'est de la 3D qui essaye d'être en 2D. Mais ça rend vraiment bizarre. Firefighter qui est venu à la fenêtre quand j'ai tapé à la fenêtre. C'est quoi ça? Garage d'or. Oh là! On aurait dit un mafieux. Fouillons la poubelle. Trop bien, une banane à pile. Attention, je suis la police. Waouh! Comment on recharge? Oups, pas comme ça. Cassos. On peut pas sprinter? Pourquoi il va aussi vite? J'ai assommé un innocent. Comment ça, un innocent? On dégage, toi, tu sers à rien. Tu fais quoi, toi? Ah, mission, bah voilà. Récompense. Chef de la résistance. Talk to. J'accepte. J'ai vu un rat en slip, tu devrais. Tout chef de la résistance. C'est lui là-haut? Résistance leader. Bah en fait, de loin, je trouvais que le jeu était impressionnant, mais y a un truc bizarre avec les lumières, je trouve, sur les murs. Je sais pas trop comment expliquer ça. Ils ont pas traduit partout le même mot, ouais, ça c'est classique. Résistance leader, ce n'était probablement pas une bonne idée de s'habiller. Quoi? Accompli. Dans. Personne lambda. Lambda, pardon. Achrouillé. XP. Don't kill anyone. Don't Récupérer dents de personnes lambda. Ok. Je peux faire, je pense. C'est quoi ça? Personne lambda, êtes-vous ici? Ah, personne lambda, bonjour. Commoner, bonjour.
loyer avec de l'argent. Voilà. Retourne, tout chef de la résistance. Bon, pour l'instant, c'est exactement ce qu'on adorait de Street of Rogue. Hein. C'est-à-dire marcher. Neutralise on the move target. Gazer bois. Quoi? Ah ouais, si, c'est Minecraft en fait. Ok, très bien. C'est où le bois? Ah. Je vois des arbres. Attends, on sait pas encore. Mais j'avoue que c'est un peu surprenant comme comme début. Même en supposant que. Oh putain. Je me déprime en voyant qu'il y avait du fer. En supposant que tu dis c'est une bonne idée de faire ça pour Street of Rogue, tu pourrais au moins commencer de manière plus fun. Parce que je pense pas que les gens qui ont aimé Street of Rogue, quand ils ont vu une suite arriver, ils se sont dit « Cool, j'ai vraiment envie d'avoir Minecraft dans Street of Rogue ». Ça pourrait être une couche en plus, pourquoi pas, mais je veux Street of Rogue, moi. Là c'est pas Street of Rogue, c'est juste Street, c'est Minecraft dans quelques streets. Street of Rogue, on veut s'infiltrer, on veut taper des gens, on veut transformer des gorilles. Plus on marche vite. Hein. Comment construire? Ouvrez l'onglet arbre de compétences pour assigner vos points durement gagnés. Alors, avec plaisir, hein, mais... Ah, arbre de compétences. Respect des lois. La loi. Associé aux autres policiers. Perte de PX en cas d'innocent tué ou volé. Attention, la création est en mode alpha. Nous sommes encore en train de développer les recettes et schémas de la plupart. Et la plupart ne servent pas à grand chose pour le moment. Mais fallait pas mettre ça dans la démo alors ! Donne-moi l'amour des animaux. Non, je peux pas. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux rien faire? Ok.
Bon, la création est en mode en mode alpha. Ok. Mission. Il se passe quoi si je refuse? Build, main, tool, matériel, build. Cliquez sur l'icône revendiquer la terre pour revendiquer n'importe quelle terre. Cliquez ensuite sur l'une des autres icônes pour sélectionner un matériau. Je claim la land. Money to claim land. Or use the voucher. Bah oui. Ah. Et du coup c'est pas chez lui qu'il faut mettre une porte. City influence required. C'est bizarre quand même que ce soit moins cher sur la plage. Bon, je revendique. Voilà, j'ai revendiqué. Qu'est-ce que c'est ça maintenant? J'ai claim. Claim land. Non, bah non, du coup. Ah, wall. Flore, c'est quoi ça? Flore, tu mets du flore. Wood clean. Plank. Voilà, je sais pas pourquoi c'est rouge ici. Oups. Porte. Voilà. Et un lit. Il est dégueulasse. Comment on le rotate? Pas comme ça. Non mais il doit y avoir un raccourci pour build. B, C, X, W, R, non. T. Faut vraiment venir là et changer à chaque fois. Mash plus num, barre de raccourci. Clique pour recharger. De tel qu'une bonne nuit de sommeil. C'est pas 4 enclosed walls ça? Oups. Pourquoi je peux pas utiliser mon matelas? Comment on déplace un... Bon, entrez pas chez moi. Bonjour. Viande d'écureuil. Trop bien, on va chasser. Comment on dort? Propriétaire n'est pas loin. Ok. Après, je peux voir l'idée. Hein. Il est prévu pour quand le jeu accès anticipé pour cette fin d'année. Je peux comprendre l'idée. En fait, j'ai construit le matelas dans mon mur, c'est ça? Je peux comprendre l'idée de... d'avoir du multi où on peut construire des maisons et tout, genre on peut construire des bases et les autres ils vont essayer de rentrer dedans ou des machins comme ça. Ça peut être rigolo. Mais là, non. Gather viande d'écureuil. C'est où la viande d'écureuil? Poulet.
Casino, hôtel. D'accord, on peut bouger avec Oise. Commissariat. Comment ça, éliminer le maire? Où la viande d'écureuil? Faut activer les cabines téléphoniques vous permettent de vous téléporter. Ah! Si j'avais su. T'es un écureuil, toi? Je sais que c'est une référence à Zelda. Bon, c'est pas des écureuils, hein. Ils veulent pas de la viande de chicken à la place? Parce que ça j'en ai, hein. Y a pas un magasin sinon? C'est quoi ça? Ordinateur, car stop, caserne de pompiers, hôpital, maison blanche. Open shop. Des écureuils dans l'arbre. Il doit pas comprendre, mais je cherche un écureuil, quoi. Que c'est fermé. Mais ça sert à rien tout ça. Ah, Mitchell. Non. Super. Très immersif sim tout ça. Aïe. Bon bah on va manger bonus santé, régénération, clic droit pour utiliser. La même chose.
petite salmonellose. Il y a des bonus de statut avec la bouffe. Bon, on va manger un œuf aussi. Ah, il a pas encore faim. Bon. Ah oui, là-haut. Génération. C'est où les écureuils? L'entretien des espèces vertes. C'est pas tant que je les entretiens, hein, c'est plus que je les anéantis. Dans tes poubelles. Bon, il me reste plus qu'une seule chose à faire. Je vais reconstruire un lit. Peut-être que je vais pouvoir dormir cette fois. C'est ici. Je peux plus construire de lit. Comment on détruit un truc? Claimland, non. Farming, non. Objet. Décorative, wall. C'est vrai, on peut pas enlever des trucs? Ah. Voilà. Dormir jusqu'au matin. Je sais pas pourquoi mon sol il est devenu bleu. Parce que j'ai pas mis de toit peut-être. Non, il n'y a pas de toit. Ok. Tous les matins, les robots majordomes viennent nettoyer le bazar que vous semez derrière vous. C'est drôlement pratique, pas vrai? Vous verrez aussi de nouvelles têtes s'installer dans les maisons dont vous avez expulsé les anciens propriétaires. Ok. Et les écureuils, c'est où? Pas d'écureuil, vous. Bon. Plein d'écureuil. Peut-être fouiller les poubelles. Non, mais en vrai, j'ai loupé un texte ou. Comment ça se passe, parce que pas vraiment vu d'écureuil quoi. Et ils ont même réparé les poubelles quoi. Mission, gather viande d'écureuil. C'est qui ça? C'est lui. J'ai plein de poules. T'as de la viande d'écureuil, toi?
Donc je l'ai tué, mais je peux lui donner des ordres. Ils avaient pas de viande d'écureuil sur eux. Bon bah. C'est Street of Rock 2, hein. C'est une belle représentation de ce qu'est Street of Rock, un jeu où on cherche les écureuils. C'est quoi, hein, au fait? Une télécommande ici, mais prisonnière Helmet. Exploser les caisses de détenus. Ah. Qu'est-ce qu'ils vivent dans ces arbres-là? Je trouve un peu moche la map. Hein. Farmer. Peut-être des écureuils sur toi. Sérieux? Des cochons. Bonjour, Nem. Tu sais où ils sont les écureuils, toi? Les arbres à côté de chez toi. Ah oui, j'ai vu un écureuil ce matin sur le parking. Alors que c'était hier soir, je sais plus. Ok, bah j'ai trouvé une minuscule ville ici. C'est la ville des farmers. Ils ont pas l'air d'avoir d'écureuil. J'ai pas l'air de savoir conduire. Wood, palme. Eh ben, ils sont amusants. Hein? Il n'y a pas un parc à écureuils comme en Angleterre. Bah peut-être sur la terre principale. C'est quoi ça? Bureau du maire, commissariat. Ah, je peux peut-être aller au magasin la journée. Allez, on va vérifier ça. On va passer 10 minutes à marcher. Ils m'ont même pas encore appris à donner des coups de pioche. Discovered. Il a pas l'air d'y avoir d'écureuils ici. Non, c'est bon. Oh! Je suis flic. Bonjour, je suis flic. Bonjour. Nous sommes amis. Mission. Voilà, il y a des missions ici.
Et du coup, on oublie mon autre mission. Après. Ah non, il y a toujours la viande d'écureuil. Comment on passe des menottes? Je sais que je peux le faire, mais... Enfin, je crois que je peux le faire. Capture honneur. Neutralize. Je te menace. Putain, il est costaud, lui. Hein. Bien joué. Ça. T'as gagné? Oh, j'ai eu un roc. C'est un peu chiant de devoir faire tout le tour. Mission. J'ai des feux d'artifice et de l'XP. C'est quoi ça? Hypnotise marque. Où est-ce que j'ai eu ça? Bon bah j'ai pas de feux d'artifice en fait. Ça doit être ça. Bon bref, on va voir si je peux acheter de la viande d'écureuil dans le magasin et puis... publier un avis de recherche pour l'écureuil. Si seulement. Je crois que le jeu est pas assez avancé pour ça. Ordinateur kill, pardon. Bonjour. Post job. Ah. Be able to hire people to live and work at your home base. We'll transform your home base from anything ranging from campaign headquarters to military training grounds. Voilà, c'est intéressant ça, mais c'est pas dans le jeu quoi, donc. Prochain stream, ça sera des BZ. Sérieusement? Il y a des blueberries, du beef, du banana, du chicken. Mais pas de viande d'écureuil. Traverser le mur. Oh, j'ai une clé de la maison blanche. Sérieux? Plus qu'un point de vie. Oula! Mais elle était sur des toilettes avec un flingue. Capture. Mais j'avais pas accepté cette mission.
Oui, j'ai eu la clé de ASCII. Échouer, ramasser. Quoi? Ah non, te casse pas. Elle a tellement vite. C'est la chef de la résistance et moi je suis la police donc. C'est bon, j'ai gagné. A disparu. Oh, voilà, c'était Street of Rogue, le jeu où on tourne en rond pendant une demi-heure pour chercher des écureuils qui n'existent pas. Je sais pas si c'est une amélioration de la formule. Hein. Du coup, ça vaut le coup que tu prennes Street of Rogue 2 ou pas du tout? Bah ça va être compliqué là parce qu'il n'existe pas encore. Après le premier il est cool hein. J'ai donné ma démission à la résistance, c'est ça. Donc Street of Rogue 2, on nous a dit quatrième trimestre 2024. A priori en early access. C'est fait par Matt Dabrowski. Vraiment? Genre, y a qu'une seule personne sur ce jeu? C'est édité par Tiny Build. Et c'est plus dans ma liste de souhaits. Ouais, c'est dommage hein, quand même. T'avais un peu joué au 1 mais pas trop creusé, tu te souviens plus pourquoi c'était cool? Bah parce que tu peux faire plein de trucs comme tu veux. Voilà. J'ai des doutes sur le fait qu'il soit seul quand même. Un jeu comme ça, Tiny Build en plus. Je serais pas étonné que ce soit un de ces jeux à solo dev ou c'est un solo dev parce que c'est le seul à être plein temps. Et il y a genre une cinquantaine d'autres personnes qui sont là, mais en contrat à temps limité, quoi. Ce genre de choses. Je sais pas. Est-ce que c'est un truc vert ou pas, ça? Non. On va prendre un truc plus calme hein, parce que la résistance qui demande d'aller tuer des écureuils, c'est un peu violent pour moi. Voilà, ça c'est un jeu qui se lance vite. C'est Picross 3D. Voilà, on peut mettre en AZERTY. Incroyable hein, quand même. On pourrait se dire que. Regardez ça. Bon, je pense que c'est fait par un Français. Mais. Il y a des accents avec la même police.
Oui, donc j'allais dire, on pourrait croire que quelqu'un qui a déjà fait un jeu et qui fait une suite de son jeu, il pourrait avoir des trucs déjà faits, comme par exemple des options, mais a priori non. Ah oui, c'est. Je sais pas si ça se change pour vous. Moi, quand c'est à 120 FPS, c'est plus sombre qu'à 60. Et à 30, ça fait clignoter mon écran. Voilà. Et Unlimited, ça doit être à 120. Bref. Retour. Crédit. Ouais, même ça, il y a deux programmeurs. Et deux artistes. Et deux designers. Ça, c'est plus crédible. Sélectionnons un niveau. 0 sur 5. Ok, c'était un monde. Niveau 1. Jouer. Pas de diff sur le stream, ok. Bienvenue dans Nonogramme 3D Mega Puzzle. Le but du jeu est de découvrir des formes cachées dans des cubes. En bas à droite, il y a les outils. Appuie sur la touche Z ou clique sur l'outil. Tac. Pour sélectionner, puis clique sur 9 cubes pour les casser. Z, ça marche pas. Bravo! Maintenant, appuie sur la touche E ou clique sur l'outil. Ça, pour sélectionner. Clique sur 9 cubes pour les peindre. Ah là, E, ça marche. Super! Pour certains casse-têtes, les flèches rouges et vertes vont apparaître sur les côtés. Elles servent à entrer dans le casse-tête pour atteindre les cubes inaccessibles autrement. Clique sur la flèche verte pour entrer dans le casse-tête. Ah d'accord, en fait c'est pas vraiment AZERTY. Le crayon sert à crayonner les cubes sans les résoudre. Utilise-le pour t'aider à résoudre des lignes sur lesquelles tu n'es pas sûr de la solution. Tu sais maintenant utiliser tous les outils. Victoire! Ouais, ça doit être ça, c'est un faux AZERTY, mais Ah mais non, mais c'est parce que j'étais encore en QWERTY! C'est de ma faute. Sur les cubes, il y a des numéros A. Chaque chiffre sur une face d'un cube indique le nombre de cubes consécutifs à peindre dans la ligne ou la colonne. Il y a un 0, cela signifie qu'il n'y a aucun cube à peindre dans cette ligne. En bas à droite, il y a des outils. Appuie sur Z pour sélectionner l'outil. Clique sur le cube pour le casser. Super. Ici, il y a un, il doit être peint. Appuie sur E. Et là, tu as terminé ce casse-tête. Alors du coup, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de clic droit. Le clic droit, il sert à rien. Peut-être parce que c'est le tuto. Perso, j'aurais utilisé le clic droit pour certains autres trucs. Peut-être traverser le puzzle. Ah. Pour faire tourner le casse-tête. Bah non, mais ça marche pareil avec le clic gauche. Clic gauche et clic droit, ça fait la même chose là. Ah, j'ai trouvé. Ouais, bon, le truc de victoire est pas ouf. Jouer. Ils veulent vraiment être sûrs qu'on a compris, hein. À moi de jouer.
J'ai un peu peur de la musique parce que hier le jeu de Minesweeper il avait de la musique la musique copyrightée et là je vois que ça change de musique pas mal. Mais toi t'es 6. C'était un cœur. Emoji cœur, ouais, ou un cœur juste. Ça, c'est un emoji thumbs up par contre. Emoji pouce. Par contre, pourquoi ils l'ont mis en beige? C'était bien en jaune. Ça tourne pas assez vite quand on pivote. Ah, puis la souris, elle va pas où je veux. C'est un peu le problème avec les jeux de Picross normaux, c'est qu'ils commencent toujours très lentement. Et c'est quoi ces options à la con? Ah. Bon, le volume de musique, on peut pas vraiment y toucher. Tant pis. Ouais, le problème de la rotation, c'est qu'il est il est pas du tout aussi sensible que la souris. Ah, sensibilité rotation. Pas assez. C'est un peu mieux. C'est une fleur. C'est une tournesol. Pour certains casse-tête, les flèches rouges et vertes vont apparaître sur les. Oui, je sais, tu m'as déjà dit. Non, mais oui, c'est bon. Ok, merci. Comment ça, victoire? Mais non, mais je veux faire le niveau. Je reconnais, c'est un Jenga, ça.
ils ont vraiment repris tous les trucs de Picross 3D. Hein. GG d'avoir cliqué sur deux flèches, merci. J'ai vraiment tout donné. Hein. Des deux. Par contre, j'aime bien que la forme elle commence quand il y a une ligne qui est finie. C'est un tank? Ah non, c'est un poulet rôti. Bon, c'est pas aussi agréable que sur 3DS, hein. Enfin, que sur DS juste, enfin, ou 3DS, peu importe, mais c'est pas aussi agréable à la souris. Me tangue poulet. Un poisson au citron. Ah ouais, avec une arête ici. Ce jeu en VR, bah ouais, ouais. Ça serait bien. Après, c'est un peu compliqué de lancer un casque VR pour faire un Picross, hein, mais c'est un peu overkill. Mais ouais, je me suis déjà demandé quoi ça pourrait ressembler. Des donuts. Un quest, ça se lance tout seul? Oui. Mais en même temps, personne devrait avoir de quest. Espérer un petit truc en plus pour que ce soit pas juste oula, lui il aurait pas dû mourir. Ah si, c'est bon, c'était un misclic mais ça passe. Quoi? Ah mais non, je croyais que j'étais en sélection. C'est une tarte. Ah non, c'est une pizza. Est-ce que les pizzas, c'est pas des tartes? Alors là, ouais, c'est ça que je veux. Ce qui est bizarre, c'est qu'on peut pas drag la flèche. Pas super instinctif à ce niveau. Qu'est-ce qu'il manque, lui? Je sais pas ce que c'est. Des burger frites. Ah ouais! Ah ouais! Ah.
Ouais, là, hop. Bon, c'est satisfaisant, hein. Ça reste satisfaisant, évidemment. Mais ouais, c'est un peu trop safe. On va repartir dans l'autre sens pour péter les trucs qui sont en trop. De louper un truc là, mais bon. Ça va tellement être muté ça dans la VOD. Ok, alors toi oui, toi oui. Eh ben, c'était un panier de fruits. C'est un bel ananas. C'est dommage que les résultats soient un peu trop abstraits à ton goût. En termes de plaisir de la découverte. Ce que je me demande, c'est si quand ça sera plus gros, ça sera pas un peu plus détaillé. Mais c'est vrai que le burger là, il était limite. Hein. C'est quoi ça? C'est un tuto? Il y a deux couleurs. Ce twist. Ça aussi, il y avait dans Picross 3D, non? Pourquoi il me laisse pas peindre? Ah. Ouais, attention, 0, ça veut pas dire complètement 0. Non? Ça veut dire 0, 0 orange, mais... attention. Pourquoi lui, il dit qu'il y a un bleu. Où ces conneries? Ou alors ça veut vraiment dire là il y a rien? Ouais, ok, ça veut dire là il y a rien. Donc plus aucun cube à peindre sur cette ligne, même pas de bleu. D'accord, c'est ce que je me demandais. Par contre, c'est pas orange clair comme un, c'est bleu. Donc ça c'est vide. Ok. Bon, ça aide un peu. Toi t'es bleu, donc c'est comme ça.
Dommage, les tutos, c'est pas des vrais trucs. Sur cet axe, il y a seulement un numéro orange. Cela signifie qu'il ne peut y avoir que des cubes de couleur orange dans cette ligne. Avec l'outil crayon. Quoi? Et les deux cubes sur cet axe. Ah oui, ok, pour dire... ok. Excel, il y a seulement un numéro bleu, ça signifie. Je suis un peu surpris qu'il détaille la logique des résolutions, des enchaînements. Parce que c'est des trucs que tu es censé un peu découvrir toi-même, quoi. Enfin, ouais, c'est un peu dommage. Oui, je peux faire attention à la règle des couleurs croisées. Donc ça veut dire, croisons les couleurs. Croisées. Là, c'est que orange, donc le bleu, il est là. Là, c'est que bleu, donc le orange, il est pas là. L'orange, il est là. J'ai croisé les couleurs. Machine à laver. Jouer. Même les couleurs, c'est les mêmes couleurs que dans Picross, non? Orange et bleu comme ça. Putain, mais stop. Cette musique, pourquoi elle est aussi forte? Incroyable. Je peux pas y toucher. Ça peut pas exister. Couleur croisée. On dirait une musique de Life is Strange. Et Life is Strange, c'est des musiques qui sont flag sur Twitch, toujours. Ah, ça y est, c'est calmé. Oh, je t'avais pas vu toi, c'est un 6. Mais je voulais pas le casser lui. Il pourrait détecter que je vais dans un certain sens et pas me péter les trucs là. C'est un placard, c'est un réfrigérateur. Alors 3. Ils sont tout rouges là. 5. Tu peux pas exister. Depuis le début, il y a des 5 que j'ai ignorés. Oui. Ah
Un micro-ondes. C'est un micro-ondes. Forcément ici. 3, on peut pas t'aider. Si ça c'est 6, le bleu il peut pas être là, donc c'est orange. Et c'est quoi ça? C'est four et plaque. Ah bah ouais, avec la hotte. Mystère. Waouh. Fais attention, hein. On veut pas casser des trucs qui sont pas voulus. Au moins ça te lock dans une ligne quand tu commences à péter une ligne, c'est déjà ça. Être un 2, ça. 3, ça peut pas être un 3, ça. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ah, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On y est presque au 7 là. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bon, on va faire comme ça. 5. Tac. 3. Là, on a 3 en bas. Ça va sûrement être au milieu, mais pas tricher. Mais non. Bon, c'est un classique du genre, hein, les misclics. Oups. Qu'est-ce que je disais?
Ouais, j'ai failli détruire ici, j'avais pas vu que c'était un 5. Ça peut pas exister, ça peut pas exister. J'imagine que ça sera en bas, hein. Failli faire une bêtise. J'aimerais bien pouvoir revenir à l'état général d'un coup. C'est quoi ça au fait? Ah, c'est ma couleur de peinture. Alors maintenant dans le sens là. Douze, treize, quatorze. Très surprenant. Deux, six, toi c'est non, hop. Ça. Très bien. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un retour complet. Non, c'était un sphinx. Y en a 6 ici. J'imagine que... Non, ok. Bon, on va... Est-ce qu'on finit? Jouer, c'est quoi ça? Ah oui, c'est entouré, ça aussi, c'est un truc de Picross. Je reconnais. C'est deux groupes séparés. Bien sûr que je peux résoudre ce casse-tête. Il faut faire seulement deux groupes de cubes. Ah. Je savais pas que c'était que deux groupes, ça. Victoire. Clairement trop d'indices sur celui-là. D'arbres.
5 en bas, il est bon. Tout est mort, donc tout est bon. On est d'accord qu'il est forcément aux extrémités. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Dans quel sens? Ça peut être là encore. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une manifestation. Dis-moi, c'est une manifestation. Tu rentres chez toi, plus t'as rien pu suivre. Tant pis. Tant pis, je t'en veux pas. Tu m'avais même pas répondu pour les... Pour les réunions, non? C'est le truc qui m'embête un peu avec Picross 3D, c'est qu'on en revient souvent à faire ligne par ligne, enfin, tranche par tranche. C'est un peu dommage, je trouve. 3, donc t'es forcément ici. Genre au final on regarde pas tellement le truc dans son ensemble. 3, 4, 5. Ouais. Il y a peu de déduction en 3D. Après, ça serait sûrement compliqué, hein, mais je sais pas, c'est dommage. Alors voilà, j'ai fait mes tranches, hop, maintenant je fais ça. C'est presque automatique du coup. C'est qu'ils sont obligatoirement attachés. Voilà, une fois que tu as tout croisé, après il n'y a plus qu'à dessiner. Le 2, du coup, j'avais dû l'oublier avant. Enfin, j'aurais pu sûrement le faire avant. Ouais. Tac, tac. C'est un overboard. Un bonsaï. C'est à peu près la même chose. Il n'y a pas un 0 là? J'ai l'impression d'avoir perdu un 0 quelque part. Alors, toi, t'es 2. Hop. Tac.
On va faire dans le sens là. Oh, il y a une autre couleur, ça faisait longtemps. J'ai pas pris le bon sens pour commencer. Toi, tu peux pas exister. Oh merde! J'ai double-cliqué. Alors je sais que là il y en a 4, donc le 3 il va être à l'extérieur et lui il va être à l'intérieur. Ça m'avance pas pour lui. Ah, si. Paf. Paf. C'est un bonhomme. C'est un zombie. Ah! Il est tellement large. Ça peut pas être ici. Peut pas être ici non plus maintenant. C'est moi qui fais ça. Là et là, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc toi, t'es comme ça, c'est sûr. Bah, de toute façon, il y avait un. Mais le milieu, je sais pas. Ah bah si, parce que le 2, ça, c'est orange, donc ça peut pas être bleu. Trois, quatre, cinq, six. Hop. Fois tu t'embêtes à faire une déduction et au final il y avait beaucoup plus simple. Ok. Alors toi t'es bon, toi aussi. Harry Potter. Ah. Merci d'avoir joué à la démo de Nonogramme 3D Mega Puzzle. Ajouté à la liste de souhaits. Mais ce que je comprends pas, c'est. Ah si, oui, ok, d'accord, ça c'était les niveaux. Ah oui, et après il y avait. Oui, je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait un monde au-dessus. Donc là, on avait. Techniquement, ils appellent ça des niveaux, mais il y a aussi des niveaux dans les niveaux. Là, il y avait 6 niveaux dans le niveau, dans le monde. Bon, il y avait 8 mondes. Quitter. Oui. Bon, bah, c'était cool.
Ça fait du bien un peu de calme comme ça après, après Streets of Rogue. Ça sort le 9 décembre 2024. C'est fait par Steven James. Je vois pas d'autres jeux. On nous annonce 200 plus puzzle fait main, un générateur de puzzle procédural, des tutoriels complets, des puzzles à deux couleurs, donc il n'y a pas d'autres couleurs, pas d'aléatoire, et des catégories par difficulté croissante. Ok. Je sais pas combien il y avait de niveaux dans la démo du coup. Une vingtaine, un truc comme ça. Peut-être un peu plus si on compte tous les tutos. Sympa, mais un peu trop safe. Un peu trop exactement Picross 3D. C'est pas trop grave non plus, hein, mais... Hop, mise à jour faite. Alors, ben voilà déjà trois jeux. Alors, ça c'est multi. Stratégie 5 gigas. J'essaierai peut-être ce week-end de faire la VR parce que j'ai 4 démos en VR. Bon, en général, la VR, il y a toujours des démos qui prennent 2 minutes parce que soit c'est méga court, soit ça fonctionne pas. Mais ouais, j'essaierai ce week-end, je pense. Est-ce que j'ai pas un truc action quelque part là ? Lovish, plateforme action, Morphad, action 3D, Hyperbit. Ça doit être du rythme. Project Silverfish, c'est un FPS. TMNT. On va essayer. Où est-ce qu'il est ? Lovish, platformer. Ah, c'est méga fort. Ça s'appelle Prologue. C'est en pixel, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est tout flou. Ah, le bâtard, quoi. Ah, c'est toujours fort. Bah oui, c'est toujours fort. Je suis à 10% du volume. Hein. Donc on va mettre à 5. 4. Voilà. C'est mieux ? Donc je peux changer le window size, mais c'est toujours flou. Quoi que je fasse, c'est flou. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a le... Ils ont oublié de désactiver l'anti-aliasing ou je sais pas trop quoi. Que tout a été multiplié par 2 sans raison. Non, je peux pas lire ça, désolé. Je t'ai fait sursauter, je suis désolé. On peut pas skip.
set to jump, press X to attack. On peut attaquer en continu. Je sais pas s'il fallait que j'attaque la porte ou pas. Oh, il y a un Goomba! Je sais pas trop quoi faire. C'est rigolo les dialogues, mais laissez-moi les avancer à mon rythme. Je sais pas à quoi ils servent les pièces. Ça me rappelle un peu Mille et un pics. Acheter du savane pour la peine. Amuse-toi bien. Fais attention au lion. Oh le bâtard. Perdu un cœur. Perdu un cœur. Clairement, il faut attaquer les portes. J'avais pas vu qu'il y avait des pics ici. J'ai perdu un cœur. C'est bizarre de demander à chaque fois quoi faire. Croyez. Je la veux, je l'aurai, je veux savoir c'est quoi. Il n'y a pas ça dans les autres niveaux. Les ennemis qui bougent de manière aléatoire là. Marie, c'est James. Ouais, du coup c'est rigolo aussi, mais pour l'instant ça dit rien du tout quoi. Mais
Qu'est-ce qui le fait apparaître le premier en fait? Ah, il a enlevé les pics. Lui, il en a rajouté. Pouvoir tuer le beholder en bas. Ça c'est rigolo. On va interagir avec la histoire. Faut que tu l'ouvres. Je sais pas comment l'avoir lui. La boucle musicale est un peu naze. J'ai loupé une pièce. Le moment où elle boucle, ça fait un son un peu bizarre. Éteindre les lampes. Okay. Moins 8. J'aime bien les petits secrets et tout, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu avec la présentation du jeu. Pourquoi je peux le détruire lui? Je peux peut-être tous les détruire en fait. Il y en a une par niveau.
encore. Mais putain, j'allais dans l'autre sens. Il y a beaucoup d'air contrôle. Hein. C'est un peu surprenant vu le jeu. Je me serais attendu à ce qu'on puisse moins contrôler son... ses déplacements dans les airs. Et merde. Viens me battre. Pourquoi je fais ça? Et en bas pour une fois, s'il te plaît. Merci. Il a trop attendu. Normalement, il tire plus vite. Mais arrête de... Putain! Oh là là! Ce qui est bien, c'est qu'il prévient bien quand il tire. Alors, l'affaire, j'étais en l'air. Moi je pense qu'il devrait prendre des dégâts en se prenant ses étoiles. C'est même pas son étoile qui m'a touché, c'est son bras parce qu'il a avancé son bras. C'est quoi cette hitbox à la con? Genre ils ont des détections au sprite plutôt que qu'une boîte de collision. Bah non, parce que là ça fait rien. C'est vraiment bizarre. Peut-être que quand il attaque, sa hitbox elle avance. Ça m'énerve ça. Putain.
Ah. En fait, on peut facilement l'attaquer par derrière parce que cette hitbox, elle est vraiment avancée. Là, on peut le traverser sans trop de problème. Mais à l'avant, c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est aléatoire le temps entre les tirs. Passionnant comme boss. Putain. Il est tellement lent en plus. Ça joue clairement contre ta patience. Non mais... Si, là, il m'a touché parce qu'il a bougé son bras. J'ai l'impression. Ah. Il a bugué. Est-ce que c'est pas plus mal? Eh merde. J'aimerais bien qu'il refasse là le rebond cassé. Non, pas comme ça. Putain. Il est pas bien ce boss, hein. J'aime vraiment pas qu'au début son timer ce soit pas le même. Mais c'est pas un rebond ça. Le jeu là je l'ai pris parce que j'ai vu des gens dire c'est un jeu par des gens qui ont fait un autre truc, donc je me suis dit c'est des devs qui savent ce qu'ils font. Mais ça fait tellement amateur là. Obligé de le coller pour pouvoir l'attaquer et la détection est super précise. Bah oui, il se retourne. Bah oui, il se retourne. Ce qui est chiant, c'est que la plupart du temps, j'ai l'impression que je peux pas vraiment choisir ce que je fais. C'est soit j'attends, soit j'attaque, mais j'ai pas vraiment beaucoup de possibilités, quoi, d'attaque. Genre là, c'est de la merde, parce que si je saute, je me prends forcément l'étoile. C'est vraiment juste un boss où tu passes ton temps à attendre. J'ai failli oublier de bouger. Allez, s'il te plaît. Mais... je voulais aller sur la gauche. Mais je... J'ai bloqué parce que je me suis dit que... ça aurait été un piège avec l'étoile. Putain.
Non. Eh ben putain. Plus de la moitié des couronnes. Ok. Et ben voilà, c'était Lovish. Et je vais me couvrir un peu parce que j'ai froid. Alors Lovish. 23 minutes de jeu, la moitié sur le boss. C'est fait par Labswork et c'est édité par Dangan Entertainment. Labswork a fait Astalon Tears of the Earth. Qui a l'air d'être un Metroid. Et du coup, est-ce qu'il était flou aussi, lui ? Castle in the Darkness, qui ressemble beaucoup à Lovish, mais qui est aussi un Metroid. Et Dangan, du coup, je crois que c'est un éditeur. Ah non, c'est pas celui-là. Non, ils ont Crosscode et Iconoclast et Bugfable. C'est ouf qu'ils aient su. Enfin, ouais, j'imagine que le jeu il coûte rien. C'est... En fait, j'aime bien le côté plateforme méticuleuse comme ça, mais le problème c'est que les hitbox et tout ça, enfin ça l'est pas du tout. Le perso il bouge un peu trop facilement de gauche à droite, surtout en l'air. Alors, on peut se dire ça rend le jeu plus simple, mais quand t'attaques, ça fait moins précis aussi. Mais je comprends pas pourquoi, surtout, il est aussi flou. En GIF, ça a l'air d'aller, mais je sais pas quand j'y ai joué. Ah ouais, non, en fait, l'image, c'est pareil, c'est méga flou. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. On dirait qu'ils ont fait leur pixel art, et ils ont tout doublé sur Paint, et ils ont fait le jeu comme ça. C'est vraiment bizarre. J'ai pas vu, il y avait une date de sortie, je crois pas. Premier trimestre 2025.